terre, après eux, au milieu de la mer. À la veille du matin, l'éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en déroute, en désordre, le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars, en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant l'Éternel. Quand ils ont commencé à prisonner, fuyons. Regardez ce que tu vas faire. Fuyons devant l'Israël. Car l'Éternel combat pour lui. Alléluia, on a besoin du Seigneur. Toi, il te combat à rien. C'est la différence entre l'enseignement du prophète et l'enseignement des pasteurs. Je vous dis, quand vous allez à l'école avec les professeurs, chacun a son enseignement. Nous, on enseigne les mystères. C'est pour ça que la Deux Chroniques 20, 20 dit, confiez-vous à ces prophètes, vous les suivez. Mais vous connaissez les prophètes. Les pasteurs ont dit, il ne faut pas chercher pas les gens. Comment tu vas avoir l'argent? Comment tu vas être grand? Ce sont des problèmes de reine, ça ne t'intéresse pas. Amen. Allons-y. L'éternel combat pour lui. Il faut qu'on sente que Dieu est en train de combattre. Il ne va pas la gauche, mon gars. Oui, l'ennemi doit sentir que Dieu est en train de combattre. Mais ça lui dirige. Mais le moyen, non, c'est. Au contraire, il vient t'embrasser. Oh, il y a mon premier Dieu. Je l'appelle Marie de lui. Le Dieu du village. Il vient t'embrasser en lui. Dis-le, pour les gars. Il fait l'amour et tout. Il est malade. On est hier quoi? Il t'a l'air de vivre la nuit. La nuit, il va vivre. Le vieux, il fait 10 jours sans se brosser. Il t'embrasse. Je l'appelle mon mari de nuit. C'est le vieux, il t'a vu. La petite. C'est fini. Eh bien, il est venu, mari. Il voit rien, il est dans ta maison. Amen. Je vais faire de toi un gars dans mon cas quelque chose de très dangereux. Et si tu veux jouer ton rôle, il va aller là. Il faut que Dieu s'occupe de nous. Dis amen. Dieu a confondu les ennemis d'Israël. Si Dieu ne confond pas les ennemis, ça ne peut pas être toi. Le premier signe que Dieu va faire d'abord dans ta vie, c'est de confondre les ennemis. Oui. Il va les laisser venir. Mais il va les laisser aller au bout de leurs idées. Tout ce qu'ils voulaient faire, ils vont faire. Mais ils le chieront dans le feu. Ils vont attaquer jusqu'à ils vont venir échouer. Et là, comme tu as dit, faut prendre la mort. Moi, tu m'as provoqué, tu es venu, faut pas dire non. Je ne sais pas si c'est qui tu viens de faire. Amen. Il est là. 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 Il est
Tu veux me voyer les choses bien. Regarde, vous c'est pas que c'est mauvais. Et maintenant, là, il non, pardon, est beau. Maintenant, quand vous lisez le chant 55, à la zone, vous dites, vous êtes sûr que vous avez des chants interdits. Un cœur est mon tu t'es moi, c'est elle. Et quand vous, quand un cœur, la tête, la main, c'est tout le souffrant. Tout le monde, au seul moment, tu as vu, tu as mangé encore. Et quand vous avez dit, c'est bien la sèche. Il a mal à l'eau. Amen. J'ai dit c'est un sorcier à grand la vie. Je vais plus prier pour toi. Non, moi, que, moi, pour que tu vives longtemps. Les gars, okay. Il dit, mais pourquoi les gens on a gardé que tu vas changer dans la tombe. Les gars, pourquoi j'ai dit mais quoi, 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 la tombe, tu vas changer. Tu l'as mis, les gars, qui tu l'as tu veux changer les gars, qui dit dans la tombe. Les gars, qui tout dépend de toi. Amen. C'est bon, quoi. Donc le vent, le glorieux, c'est le vent de l'Est. On est toute la nuit. Dieu a envoyé un vent de l'Orient. On a toute la nuit qui a séparé la mer. Il va séparer tes difficultés. Il va détruire ça. Il va t'accorder la délivrance. Et jusqu'à même faire périr tes ennemis. Amen. Le vent de l'Orient. Le vent de la délivrance. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Osée le chapitre 13, verset 15. Osée, Koubata. J'ai vu pour vous. Osée 13, verset 15. Vous pouvez me lire la lettre. Osée, Koubata. Non, mais Koubata, j'ai vu pour vous. Osée. La lecture. Osée. On a vu. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple s'éleva et ramassa les cailles, celui qu'on avait ramassé, et tendit pour eux autour du camp. Amen. Amen. Donc le vent de l'Occident, c'est le vent qui vient briser la malédiction. Amen. Amen. On nous parle ici de la mer, c'est pas ça? L'Occident, la mer. Donc c'est le vent de l'Occident, le vent de l'Ouest. Mais Europe, on oublie quand. C'est un vent qui vient couvrir la malédiction. Non, si toi, pas toi, quelqu'un s'est levé dans ta vie, tu dis va te maudit, t'as maudit. Ne comprends pas quand. Regarde vers l'Ouest. Parle de paix, on oublie quand. Et puis tu détruis ça. L'intérêt au nous. Tu as mis cette malédiction. Et ça n'est pas tu la brises. Ça y est, le troisième fond. T'as l'air votre moi, y'a un billet, gars. Le vent du nord. Et le vent du nord, gamin, ping, hein. C'est un vent de miracle. C'est le. Il va dire votre. C'est pour ça que tout ce qui commence du nord, nous, vous voyez, c'est une rébellion, ça marche tout. Et quand là-bas, Waka, oui, Bogono. Et il n'a le même. Regardez en Irak, actuellement. Ah, Irak. Il y a des gens. Quoi, les islamistes qui viennent du nord. Quoi, on de non, mais... Notre guerre est venue du nord. Attends, non, comment vous voulez c'est un fond de mire. Ah non, vous voulez voir, il va te débouler. Il y a des choses. Oui, un mec. Que tu as besoin de connaître. Il y a un mot, il va aller. Proverbe, prenez Proverbe, chapitre 25, verset 23. Ah, il y a un proverbe, mais quand on a sacré nous. Un vent de miracle et d'élévation. Allons-y. Pardon? Proverbe 25, verset 23. Le vent du nord enfante la pluie. Le vent du nord enfante la pluie. La pluie qui est symbole de bénédiction. Dis amen. La gorge, vous savez. Amen. Amen. Tu veux un miracle de l'enfant. Tu veux un miracle quelque part. J'ai un dossier en main. Tu veux un miracle. Regarde vers le nord et commence à envoyer le vent du nord. Je veux un miracle. Sur ton dossier. Bon. Le vent du nord enfante la pluie. Nous connaissons votre onya. Et quand ça voit la pluie, il y a l'élévation dans la pluie. Amen. On dit amen. Amen. Le quatrième vent. Moi, votre.
le vent de midi. Ce vent-là, il vient t'amener à posséder les territoires. Et il y en a un seul agneau. Je suis à Zaruko. Ah, comment il est là? Le vent de midi, je dois envoyer à Zaruko. Il y en a un autre monde là-bas, midi. C'est quand même un canon. Dis amen. Nous prenons Somme 78, le verset 26. Somme 26. 78, le verset 26. Oui, tagué. Pourquoi? Bon, d'accord. Dernier coup du Bible. Le verset 26. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du midi. Amen. Regardez. Le vent d'Orient et il envoie ici le vent de midi. Le dernier dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du midi. Uh-huh. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière. Amen. Regardez. Il a envoyé le vent de l'Orient. L'Orient, ça parlait, n'est-ce pas? Il m'a dit, il vient de depuis midi pour faire quoi? Pleuvoir. Donc, c'est un vent qui vient te permettre de conquérir les territoires. Moi, je vais avoir un territoire ici. Je vais avoir un foyer. Quand il vient de tout mon foyer, j'envoie le vent de midi sur toi. Et là, tu es dans un vent, c'est un con. Et le vent de midi doit te détruire. C'est là où on que j'ai mon foyer. C'est quand un coup de c'est pas là. C'est là. Si moi je vais avoir mon foyer, et quand il y a un coup de jouer avec vos foyers. Ah, quand il y les petites là sont en train de jouer. C'est là de vos, vos maris. Ah, on te dit. Pleurer. T'as oublié. Mais parce que c'est qui tu fais là? Ah, mais non. Et quel fait tu fais pas? Ah, mais oh non. Oh non, non, mon ami. Mais il déménage. Mais bon, on va me vouloir, mais là, je suis là. Mais c'est vrai? C'est le haut. Tu vois, les petites filles, elles sont dangereuses. Oui, mais il y en a qui vont voter comme moi. Elles ont fini la pratique de la société. Ah, mais vous avez bien. Tu vois, le vieux père, il déménage. Regardez, toi, le vieux père qui est à l'arrivée là, tu le vois, sa voiture à mon secours en train de dormir. Avec petite. Ça dépend de ce que la petite fait. Envoie le vent de midi, chère. Elle sera frappée d'aveuglement. Le, on a elle est malade, ouais. Ah, après ton mari, pourquoi? Envoie le vent de midi. Quand tu envoies le vent de midi, ça crée des problèmes à la petite. On doit leur revoir encore ça. Allez, ce vent là, quand tu envoies ça, le déchet qui dit son nom, tu envoies ce vent. Mais c'est connu. Il a tous les problèmes. Mais les féticheurs les connaissent ça. Je vous ai dit, entre Dieu et Satan, les copies, ils sont camarades. Alors, maintenant, il est là. Je vous ai dit, Dieu dit de dominer, mais vous n'avez pas donné le secret de dominer. Et là, là, là. Et on est dominé. On n'est pas là. Mais il faut connaître le secret des choses. Mais ce qu'ils sont de nous apprendre. Ce vent-là, quand ça vient, okay. Il y a des problèmes. Okay. Moi, je te regarde. Okay. Quand tu as peur à moi, okay. Je te lève jusqu'à épuiser toutes tes cartouches. Et non, là, tu n'as pas vu que. Tout. Là, je sais que dans une semaine, je vais te terrasser. C'est ce qu'il m'a envoyé. Ce n'est pas amusement. C'est un cancer des yeux. Il a un cancer. Amen. On dit amen. Amen. Nous avons vu l'esprit des cadres. On dit amen. Amen. Je vous dis, j'ai un pouvoir. Il ne faut plus jouer ça. S'il y a quelque chose, c'est ce que tu dois faire. Oui, la Bible dit quoi? Ne vous bornez pas seulement à écouter. Mais aussi à les mettre en pratique. Mais bon, hein? Toi, tu te bornes seulement à écouter. Il est bon. Ne les mets pas en pratique. C'est ça ton problème. Amen. La semaine prochaine, je vais vous parler des esprits. Mais quand quelqu'un a peur à vous, c'est un sorcier. Quel esprit avez vous contre lui? Alors, vous commencez à vous mener par là. Je vous ai dit, regardez dans la Bible. Est-ce que vous n'avez pas vu, mais écrit sur les autres? Il y a pas de problème, il y a des eaux. Il y a des eaux. Il y a des eaux. Il y a des eaux.
Tirez des eaux sages et sombres. Vous avez pas vu dans la Bible. La Bible dit à mon nom, vous chassez les démons. Mais vous n'avez pas dans les noms des démons qu'on doit chasser. C'est tout. Il dit vous allez chasser les démons. Mais les noms des démons n'ont pas été dit dans la Bible. Je vais vous donner les noms des démons. Les démons, là, quand il dit, ils viennent. Ils sont dans un endroit qu'on appelle le Tartar. Je maîtrise trop de choses. C'est ça que je sais. Il y a les démons, quand ils parlent, ils viennent en même temps pour aller. Parce qu'ils ont 4 mois sur la terre. Septembre, octobre, novembre et décembre. C'est que pendant cette période-là, il y a trop de guerres. Il y a trop de tueries. La guerre de Côte d'Ivoire a commencé en septembre. C'est moi. Ces démons-là, ils sortent. Après, c'est moi, j'en ai. Moi, je sais où les trouver, puis les envoyer. Je on est un esprit malin venant de l'Éternel et entré en Saïl. Dieu lui-même envoie un esprit de folie dans la vie de Saïd. Où comment moi je choisis quelqu'un comme David qui est un oui. Et puis toi tu as venu le tuer. Tu le malin. Prends l'esprit de folie. Moi bien fais où que toi. Ça a un moment tu veux t'amuser. Amen. Tu sais pas qui je suis. Je vais t'envoyer. Et tu as venu le malin. Ça va te donner cancer de souffle. Cancer n'y est. La pauvre. Amen. Tu as un pouvoir, amen. Alléluia. Tu as l'autorité, le pouvoir. Tout dépend de toi. Dis à quelqu'un, tout dépend de toi. Tu veux me programmer pour me manger. Tu sais poulet, moi. Tu sais pas où on va poulet. C'est toi-même qui vont manger dans la confrérie. Je vais ordonner à ta confrérie de te manger. Cette fois-ci, ça va être sauce qu'on perd la qualité. Maintenant, ça glisse vite dans la gorge. Amen. Je viens de vous armer. Amen. La vie déclare que les âmes avec lesquelles nous combattons elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu pour renverser la poterie. Les armes spirituelles, je viens de vous armer. Et là, il t'a vous cogné. Ici, vous êtes une brigade qu'on appelle la brigade anti-sorcier. Le a coupé. Amen. Rien ne peut maintenant contre vous. C'est quand il veut que tu te lèves contre toi, tu te lèves aussi contre lui. Parce que tu es assis. Parce que tu es assis. Qui sont maîtres de toi. Amen. La semaine prochaine, je vais parler de comment faire venir son argent. Je vous assure, l'argent ne va pas vous manquer. Parce que j'ai parlé du pouvoir du ciel. Je vais vous parler du pouvoir de la terre. Ça m'a été donné dans les cieux. Le cacao doit produire. Là, tu dois dominer, tu domines sur les plantes. Et puis, je vous dis dans la Bible. Vous allez produire, vous allez mettre vos enfants à l'école. Pour moi, c'est un souci. Parce que vos petites plantations, les saucisses sont allées chier dedans. Ils ont fait leur diarrhée dans vos plantations. Ça ne produit plus rien. Si tu as trop gagné, c'est un sac. Et comment est-ce ça qui m'a rien? Bonus, c'est un sac et demi. Ça qui m'a rien, c'est bonus. Tu vas faire quoi avec un sac et demi? Ça qui m'a rien, c'est quelque chose qui t'a vendu toute l'année. Mais je me pose la question. Souvent, je demande aux gens. Ton champ là, c'est combien? Il dit 2 hectares. Oh, quand vous dites ça, vous savez, quand quelqu'un me dit la 2 hectares, je ne parle pas comme un planteur, je ne parle pas comme un plaisanteur. Quand vous dites ça, je ne veux pas qu'il ait dit. Merci, si. C'est un plaisanteur. Qui est là, qui
Dieu les tasse et les plantations. Vous avez la forêt. C'est-à-dire, tu as ça à vie. Qu'est-ce qui t'empêche chaque année de travailler? Vous n'avez pas que Dieu avec le travail? Vous prenez ça, vous allez vendre ça aux étrangers. Et puis c'est eux qui viennent, ils sont maîtres, si vous passez dans le pouvoir. C'est le parent de ma crédit. C'est crédit, non? Tu vas lever où pour payer? C'est où tu apprends l'argent? Crédit, c'est pas payé. Il faut garantir plantation. J'ai garanti un an. Tu vas lever où pour payer? C'est pas, il n'a pas pris plantation comme ça? Ton enfant est venu sorcier, il va te manger. Mais si tu ne peux plus l'entretenir, s'il va te prendre pour te manger, tchèp tchèp. Oh, même, c'est vrai qu'il te mange, tchèp tchèp. Combien de plantations? Il est blanc. Combien de pignes? Mais on va planter, packager. Le gars, il a compris. Donc, il n'est pas bête. Il va prendre ce qu'il connaît là. On est venu mettre dans sa plantation. Quand il va avoir un problème, tu vas lui vendre ça. Et quand vous voyez, comment vous voulez pas? Toi-même, tu es allé chercher ton problème. Et il va me dire, vous voyez, les amis. Évitez de faire ça. Et vous voyez, c'est ça qui vous appauvrit. Mais sinon, si vous adorez les parfums, parfois, vous voyez ça là, c'est mignon et dedans. Allez, le champ de vous allez voir. Tu comptes si tes champs de veillage, cacao vaincu, il y a caca de sorciers, pour mettre à l'école. Mais après, je n'y avais que mon tête de cacao bleu. Si il y a cacao, il doit avoir rizier. Si il y a cacao, il doit avoir les maraîchers. Si vous avez la forêt, c'est une grâce. On parle de la forêt ici. Le bois connaît pour nous. Et puis vous dites que vous êtes pauvre. Je vais vous enseigner le pouvoir de la terre. Vous allez voir que Dieu dit, pouvoir m'attendre dans le ciel et sur la terre. D'accord, les choses de la terre. Va travailler. La possession des choses de la terre, c'est le travail. Vous allez travailler? Non, j'ai deux états. J'ai un gars qui vous dit ça. C'est comme il dit. Guimau. Va aller voir chez les amis. Les amis, tu as planté ces 10 hectares d'abord avant de concours. Encore, mais. Encore, vous dites comment tu as dit que tu as dit ici planté. Tu es un comédien. Tu as fait le cri. C'est pépinière, tu as fait. Tu dis que tu planté. Toi-même, tu as grandi, quand tu as vieilli, tu as dit que tu as dit que tu as planté. Tu es un planté comédien. C'est un chétien. Amen. Et là, si tu as dans la plantation, il faut entretenir ça. Mais pourquoi non, il y a des choses que vous devez faire pour avoir l'argent. C'est ce qu'il va enseigner. C'est vrai qu'il va enseigner le pouvoir sur les yeux de la sorcellerie. Mais il va enseigner aussi le pouvoir de la terre. Mais tu reconnais que demain, il n'y avait pas là. Demandez, quand vous venez attacher bien vos pailles, ne montez pas vos civils pour aujourd'hui. Amen. Donc je vais vous enseigner le pouvoir de la terre. Et bien, c'est important. Le pouvoir de la terre. Heureusement pour vous, vous avez l'or. Il y a l'or ici. Tiga copé ou pas l'or? Moi, je suis allé poser avec les orpailleurs. Je leur ai dit. Le jour où vous allez tuer un enfant, c'est un problème. Il fait une réunion avec Akiré. Il dit l'or à la bataille à Dieu. Dieu là, c'est mon papa. L'or là, je suis le propriétaire de ça. Vous prenez sang de l'homme, tu apprends à chercher à ça. Je fais une réunion avec Akiré. Je m'en fous, hein. Je n'ai pas besoin que vous soyez chrétien. Mais le jour que quelqu'un m'allait prendre, quand quelqu'un vous prend le sang pour chercher l'or. Je leur ai dit ça. Voici moi le travail est fait à Iris. Il y a le même.
Je vous défends dans tous les milieux. Oui, moi, partout je passe, je vous défends. Depuis que je suis là, on ne prend plus les gens pour les tuer, pour chercher l'or. Regardez, remarquez bien. On ne voit plus les corps sans vie. Parce que les gens pensent qu'il faut prendre le sang pour avoir l'argent pour gagner l'or. Non. Laissez nos enfants se balader. Pourquoi on dit ça? J'ai demandé au président des employeurs de venir organiser la rencontre. C'est moi. Vous allez vous donner le pain. Mais ce n'est pas le sang de l'homme. Mais celui qui va prendre le sang d'un tigre ou même de quelqu'un même. Vous allez chercher l'or. Le jour là, il est fou. Dieu vous a béni. Mais vous donnez vos bénédictions ailleurs. Vous prenez votre terrain, vous donnez vos signes. Amen. Il y a ce royaume pour ça. Vous donnez aux étrangers. Amen. Je ne suis pas contre eux. Amen. Mais toi d'abord, tu es égale. Si tu es rassasié, il va manger. Bon, qui a trouvé son ami où? C'est lui qui t'a trouvé ici. Moi, c'est toi qui dois avoir la saisie. Attention, ne vendez pas vos terrains aux gens. Vous allez tout vendre. Après, vos enfants, mais mon père, c'est toi qui m'envoies l'héritage. C'est toi qui vous mange. Vous voyez. Ah, mais vous êtes resté comme héritage. Là, vous m'en mangez. Mangez-les. Allez, Fufu. Allez. Quoi, si. Mangez. Mais la femme, il regarde, il ne voit pas l'héritage. Si on dit à moi, papa, il dit, je suis prêt. Ok, on a dit, il voit pas en toi, bénédiction. Yo, on a le premier, nous parlons. Amen. Mais tu manges. Mais tu dis, on a le lien. Rien toi-même. Mais il va dans la forêt, c'est où? C'est pas la terre, c'est bénédiction, une richesse. Donc, nous parlons. Amen. Une richesse, vous avez tout ça. Mais vous voyez, vous dites, et vous jouez ça. Après, on dit, vous jouez ça. On dit, voilà, changer de manière de voir. On n'a pas besoin d'être en vie pour avoir l'argent. Et là, on a pu. Vous ne payez pas maison. Ah, ça veut dire tout. Vos comptes visages, vous comptez comptes visages. C'est moins cher. Allez, dernièrement, le courant. Et bien, si tu as cacao, tu vas avoir parfum, pain. Vos tout vos pensées, c'est cacao très. Allez, c'est ça. C'est que eh bien, tu vas prendre crédit. Mais le temps d'enlever crédit. Et quand il dit ça, il te reste 5 minutes. Mais bien, tu vas te prendre 5 minutes. Ben oui, très prochain. Mais sur vous, vous-même, vous êtes vos sorciers. Vous ne savez pas que c'est l'argent qui donne force à une garçon. Vous êtes là. C'est l'argent qui donne le pouvoir à un garçon. Si c'est absent dans ta maison, tu as quelle parole? Même ta femme souvent peut parler si toi. Mais nous, on a compris. Vous êtes là. Allez, quand c'est absent, je vois à parler avec lui. À des fois, comme vous pouvez vous lever. Femme n'a pas mangé, je ne sais pas, j'ai un. Non, les. Non, il y a une histoire. Ah, pas fait de gêne. Mais si je n'ai pas mangé, je dis, ah, mais je ne suis pas venu la Amen. Mais la femme aussi doit travailler. Oui, moi je suis pour ça. L'homme, ce n'est pas l'homme seulement. La femme doit travailler. Je suis en train de grouiller un peu, tomber sur une organisation chrétienne qui va financer les femmes des Arocos. Plus de fois, je vous dis ça. Vous allez faire le commerce. Et vous allez aider. Non, je commence par Jaroko d'abord. C'est Jaroko qui est mon Jérusalem. La vie de commencer à Jérusalem. Et puis après, vous partez dans Judée. La vie n'a pas dû commencer par Judée. La vie peut commencer par Jérusalem. C'est
Parce que si vous n'avez pas l'argent, ça devait être dangereux.